Lisieux, 2 juin 2024. Après avoir effectué, la veille, une promenade en Normandie, partant de Sotteville pour rejoindre Granville via Cerquigny, Mésidon et Argentan, puis se rendre à Caen via Foligny, Saint-Lô et Lison, et enfin rallier Lisieux pour effectuer le voyage que nous allons suivre aujourd'hui, l'autorail X4039 de l'ABFC, autorail de Bourgogne-Franche-Comté, s'apprête à parcourir la ligne de la Côte-Fleurie, reliant Trouville-Deauville à Dives-Cabourg. Cette ligne, ouverte en trois étapes, de 1879 à 1884, et reliant initialement Mésidon à Trouville-Deauville, est fermée partiellement entre Mésidon et Dives-Cabourg, d'abord aux voyageurs en 1938, puis à tout trafic en 1969, et déclassée et déferrée en 1975. La partie survivante a bien failli être fermée également, mais, devant son potentiel touristique indéniable, elle a finalement été modernisée dans les années 2000. Le X4039, 239e autorail d'une série de 251, est sorti des usines Renault en 1961. Retiré du service SNCF en 1982, il est racheté par l'ABFC en 1983 et depuis, il circule régulièrement sur le réseau national. La quasi-totalité des régions françaises ont reçu un jour sa visite. Initialement à quai voie B, l'autorail est manœuvré vers la voie A. La journée commence bien mal, puisque, suite à un acte de malveillance, la circulation est interrompue entre Lisieux et Trouville-Deauville. C'est finalement avec 2 heures de retard que le Picasso peut enfin quitter Lisieux. Grâce au travail assidu des bénévoles, il réussira à résorber progressivement son retard pour terminer la journée à l'heure. Nous le retrouvons à Houlgat, un des sites les plus pittoresques de la ligne, où elle longe la mer et l'embouchure de la Dives. C'est ici que nous filmons, depuis 4 points de vue différents, les 2 allers-retours de l'autorail. Thank you.
nous retrouvons le Picasso à Trouville-Deauville, où il attend l'arrivée d'un train régulier pour pouvoir retourner à Lisieux et Sotteville via Cerquigny. Et c'est à Glomonfort que nous voyons l'autorail pour la dernière fois. Un grand merci aux associations qui ont organisé ces circulations et à tous les cheminots qui ont permis qu'elles aient lieu.